Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. What? La nouvelle s'est répandue comme une traînée de foudre dans les rues de New York. Core, dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast du crime à hein? mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mysterio Mystère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça, va? Ben ça oui, va, ça va. Désolé. Je vais l'accuser. C'est bizarre sur le live. On sortit bonjour. Comment ça va? Mais c'est un autre épisode. Fait qu'on start ça de même. Comment ça va? Passé du beau bon temps? Oui. C'était le fun? Oui, c'était le fun. Oui, all right. On est aussi. Tu veux pas savoir ma semaine? Ah ouais, vas-y. Tourne-moi oh. ta semaine. Ma semaine, là. Ah, je te l'ai pas demandé, je t'ai parlé de ton toit. Mais non, mais. Vas-y, Ça, c'était ma semaine, mon toit. Ah ouais. Mais <laughs> non, c'est venu de quoi? Ma semaine? <laughs> ouais, vas-y. Euh, cette semaine, il a pas mouillé. C'est sec, 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 <laughs> sec T'as là, la seule façon j'ai arrosé mes tomates, là, c'était en pleurant dessus. Mais là, en même temps, ils se déshydratait tout à cause du ça. » ah. Oh, uh... Fait j'ai des tomates séchées, salées au soleil. <laughs> All right. Puis on a aussi le merveilleux Papi Joe. Tabarnak que je m'en calisse. <laughs> Mais... Comment est il va, Papi Joe? Correct. Tout ta semaine. Ouais, ma semaine a été relaxe. Hein. Ouais. Moi, ouais, la semaine passée, j'avais pas aucune responsabilité et aucune conscience. Fait que euh, ça s'est bien passé. Là. Faites mes petites affaires tranquilles. Il avait le plancher puis il restait propre le restant de la semaine. Ah, c'était merveilleux. Ouh. T'étais content? Ah, J'étais satisfait. C'était <laughs> bah. satisfaisant. Aujourd'hui, épisode 26 de crime à mes oreilles. Guns and Roses, partie 2. Partie 2. Où est-ce qu'on s'était laissé, euh, Papy Joe? Euh, on, on finissait qui commençait à les enregistrer. Dans leur premier label. Oui. Avant, je juste, juste averti. Sylvio m'avait demandé euh, combien de, de parties que j'allais faire. Puis euh, je, je suis juste rendu à la deuxième partie, puis il me reste tout ça à lire. Fait que ça, 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 ça te donne une idée, je pense qu'il va en avoir encore peut-être deux, trois. Puis honnêtement, euh, ce livre-là, ça pourrait être de la fiction, ça serait une épopée. Ça n'a ça pas de sens, c'est que ça a pas de sens. Le livre est tout, ma référence première, puis après ça les internets viennent comme mettre de la chair dessus. Ça. Fait qu'on va y aller, on va y aller, euh, on va y aller euh, léger, léger. Fait que euh, l'aventure continue avec nos cinq joyeux lurons. Juste revenir sur Manny Charlton, une erreur de ma part. Il n'était pas leur manager, mais leur producteur studio. Les termes de tout ça, moi, ça, ça me perd un peu, fait que je me suis trompé. Ouais, dans le fond, c'est lui qui produisait leur musique, c'est pas lui qui les bouquait. Puis tout Exactement. Ça. Leur manager, slash, parce qu'il était aussi un peu euh, producteur, était Alan Neville, de 86 à 91. Il fut renvoyé à la demande d'Axel. Ça, évidemment, euh, je suis pas encore rendu à ce niveau-là dans le livre quand il se fait renvoyer, mais il se fait renvoyer. <laughs> Spoiler, spoiler, alert pour les prochaines parties. <laughs> euh, Alan gérait Guns N' Roses et Great White à cette époque. Je sais pas si vous connaissez Great White. Non. Moi non plus je connaissais pas ça. Puis qui risque que c'était pas bon. Et il fut le sixième membre. <laughs> ça ressemblait à quoi un peu euh, Parce que était en d'en été voir ouais, Mettez un peu de blues rock glam. Parce qu'on reste dans les années 80, mm -hmm. les pantalons trop serrés, le maquillage d'en face, puis les spray dans le front. Lui, il s'appelait Great White. C'était pas comme. C'était pas les mêmes histoires que Gandalf. Là. Non, non. 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 Great white, c'est plus comme un grand requin blanc, là, mais c'est correct. Non, lui, c'était pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. <rire> <rire> euh, ben gars, moi j'ai le temps, fais-toi, moi. Ouais, ouais les années 80, c'est ça. Il, il fut euh, déclaré le sixième membre de Great White. Silencieux, mais très important. C'est grâce à... Oui, quoi, tu me fais un signe de... Ah, non, continue, continue. ah ok, quand tu me fais ça, moi, ça... <laughs> Silencieux, mais très important. C'est grâce à lui que Great White est sorti de l'oubli pour devenir le gros poisson qu'il était en 86. Alors, avec un groupe déjà montant, il fut plus. Selon Easy, il était aussi le sixième membre du groupe. C'est important. D'ailleurs, son premier show du groupe avec Alan fut un flop. Alan loua une limousine pour apporter le groupe. Axel décida de monter avec le photographe à la place. Dix minutes avant le début du show, Slash annonce qu'ils ne peuvent pas jouer car il manque toujours Axel. Alan l'y prit en charge. Je le cite We're booked to play and play we will. You start out who's going to sing what, but your fucker, you fucker are going on. Nous sommes réservés. Eh, oui, je traduis toujours pour les non-bilingues. Oui, je sais que tu ça. Notre nous belle sommes... langue de Molière. De Molière. Nous sommes réservés pour jouer et jouer, nous le ferons. Vous triez qui va chanter quoi, mais vous, les connards, continuez. Le groupe monta sur scène. Easy et Dove s'occupèrent des chants avec peine et de misère. Même Slash participa au micro. Ce n'est pas facile de remplacer un dude qui, chante plusieurs fois, qui change plusieurs fois de ton en une chanson. Selon Axel, il est arrivé quand le groupe monta sur scène. Et, en fin de compte, s'est dit J'embarque pas. Ce soir-là, le groupe conquit le cœur de Alan. Et il, se, il se débrouilla bien malgré le ridicule de la situation. Il alla se concentrer sur le tout et non sur les caprices d'une prima donna. Et euh, j'ai vérifier, c'est quoi une prima donna Une prima donna ou... Une prima donna. C'est quoi ça Une prima donna. C'est une première ou principale chanteuse d'une compagnie d'opéra. OK. Une personne capricieuse, une personne qui prend l'adulation et le traitement privilégié comme une, un droit et réagit avec héritabilité aux critiques et aux inconvénients. Qui est un peu le personnage d'une leader d'un groupe d'opéra, non? Exactement. Fait que les deux, ça s'est suivi. C'est comme, là, au début, c'était un bon terme, puis à un moment donné, ça a comme mal viré. Mm -hmm. Ouais. Euh, juste avant l'enregistrement de Appetite, fallait faire une démo, car tout bon groupe qui veut se faire signer par un manager doit avoir un démo indépendant. Le problème, c'est que Guns N' Roses était déjà signé. Alan prit des enregistrements de chansons qui avaient été enregistrées en essai de producteur, mit un son de foule en background, et pouf, voici le démo de Guns N' Roses. Le titre du démo, live, point d'interrogation, point d'exclamation, étoile à commercial, like a suicide. Euh, quatre chansons, 14, musiques, 14 minutes de musique. Sous le label indépendant, que Allen choisit le nom. Uzi Suicide Record. Giffen imprima 10 000 copies en décembre 1986, parfait pour le temps des fêtes. En gros, Uzi Suicide était un label fantôme créé pour la démo seulement, alors qu'il s'agissait apparemment d'un label indépendant. Il en était fait créé par Giffen Record Allen. Uzi Suicide a également sorti des albums solo de Duff McKagan et réédité des albums du groupe glam finlandais Hanoi Rock. Ben pour un truc fantôme ils ont sorti une coupe d'affaires. Ben moi qu'est-ce qui m'étonne c'est vraiment le gars il est assez puissant pour créer un nom de label en disant patate. Non? Oui. Ben. Je sais pas à quel point ça peut être compliqué <laughs> surtout ouais, je... plusieurs années j'imagine ça peut être ouais, au niveau des Mais qu'est-ce qui me fait rire c'est que C'est Suicide, Uzi Suicide encore l'album. OK, ouais. Mais ça c'est pas ouais. le démo ça. C'est à peut-être Fait que moi, je pense que j'ai une des vieilles impressions de parce que les Astars, ils, ils sortent sous le nom de Giffen. j'ai peut-être genre comme une des premières impressions. Ah, oh, là, t'es content? <laughs> je je pas. <zippe. rire> euh, j'ai parlé d'Hanoi Rock. Euh, évidemment, ça ne vous dit rien. Et c'est du Oh, gros. lui, là, il m'annoyait. Ah, il était fatiguant! <rire> OK. <laughs> J'avais vraiment pas besoin de ça. Ça me fait du bien, moi. Tant mieux! J'ai un petit fait cocasse sur Hanoi Rock. En décembre 1984, Razzle, le batteur, est tué dans un accident de la route alors que Vince Neal, le chanteur de Motley Crue, était au volant. Neal et Razzle percutent une voiture et Razzle est projeté de la voiture. Il meurt quelques heures plus tard dans un hôpital de Los Angeles. Vince Neal, quant à lui, survit bon ah, à l'accident, mais doit purger une peine de prison pour homicide involontaire. L'accident a eu lieu alors qu'il conduit en état d'ivresse. Traumatisé par ce drame, le Quelque groupe se sépare en 1985. Hein, quelque chose d'étonnant à l'époque. Ah oui, surtout pour <laughs> le chanteur de Motley Crue. Ouais. C'est étonnant. Il yeah. était chaud, volant. Il était chaud, ça c'est spécial. <laughs> je pensais qu'il avait le droit, ce monde-là. Ouais, Ils il ont avait... le droit s'ils font pas de crime. Ouais, genre. genre. Ouais. Mais là, il a, il a fait un peu de temps. Mais ça, euh, je vais sûrement à un moment donné, je vais y revenir. Un Alors, jour. Tu vas nous parler de Motley Crue un jour Ouais. <laughs> Alors, quand je moi, vois, j'ai je... honte l'épisode de Tommy Lee Pam. J'ai vraiment honte. <laughs> Ça, tu peux juste aller sur Pornhub si tu veux. <laughs> non, ben dans le sens que la série sur Disney ah ouais, Plus était bonne. Ouais, la série était bonne. Sur Disney ouais. Plus Ouais. Ouais, Ben Star, je pense. Ouais, Star, oui. Ah, ouais, ok. C'était bon. Ouais. Ah, okay. euh, fait que, oh. on retombe maintenant à Guns N' Roses. L'enregistrement fut relativement simple, malgré les problèmes de drogue et d'alcool des membres du groupe. Exemple simple. Slash, c'est fracturer le poignet en essayant d'arrêter un disque de sauter sur la table tournante tout en continuant de baiser une madame quelconque. Il hey, faut tu être mauvais. pour <laughs> <laughs> te péter un poignet, en essayant d'arrêter un CD. Non, c'est un disque. C'est un disque. Oh, ouais, mais mais quand dire. Dire, en tout cas. <laughs> Occuper, ouais, alors. mais même à ça, on sentend entendu que euh, c'est pas compliqué, t'enlèves l'aiguille et puis ça finit là, là? Non, mais il voulait continuer avec la musique. Ah il ben oui, c'est sûr qu'en fessant, ça va bien aller. Là. Son bassin <laughs> suivait le rythme des coups de drum. Pauvre madame qui vit ça. Ben, je sais pas, d'après moi, elle a vivé le meilleur moment de sa vie, là. Ah oui, le gars, le gars qui, qui est en train de. de baiser avec toi et qui se pète le poignet. <laughs> c'est un beau bon moment. C'est flash. Hein. Oui, t'as un, ouais, une belle anecdote. C'est ça. Mais je suis pas sûr que c'est un cool moment, lui, qui est sûrement complètement défoncé, qui se pète de quoi, il doit bien réagir. Ouais, mais c'est ça. <laughs> ben, comme tu dis, s'il est sous l'influence de la drogue et de l'alcool, genre, il se pète le poignet, il sait pas, puis c'est le lendemain matin, il fait comme. peut Peut-être. Peut Ou il s'en rend compte, puis il est en, en tambour. <laughs> il y a ça. <laughs> non, d'après moi, il. Il a continué. <laughs> honnêtement, ça. Yeah. C'est ça. Il est euh... tombé. Ouch! <laughs> Ouch, mais c'est agréable ailleurs. Fait qu'on continue. <laughs> euh, fait que, le, évidemment, l'enregistrement a continué. Euh, J'ai quelques faits cocasses. Évidemment, j'aime ça, les faits cocasses. Euh, sur certaines chansons. Vas-y. Genre, euh, Welcome to the Jungle. Euh, J'imagine que tout le monde connaît cette chanson-là. Welcome to the Jungle! Oh ouais, j'écoute souvent du Guns N' Tu me déçois. Selon Rose, les paroles ont été inspirées par une rencontre d'un vieux clochard à alors qu'il faisait de l'auto-stop pour aller à New York avec des amis. Essayant de les effrayer, les il, crie <laughs> il crie le fameux « You know where you are? You're in the jungle, baby. You're gonna die. » Honnêtement, ça fait creepy -y, quand y a un vieux de gueule ça. Là. C'est digne d'une prémisse de film d'horreur, selon moi. Mais <laughs> ben, ça dépend, ils sont où, là? T'sais. Ils sont à New York. Ben c'est sûr, là, ça dépend on dans quel quartier. Peut-être qu'il y avait bien raison aussi, cet homme-là. We're in the jungle, we're gonna die. Non, you gonna die. Ben, you're gonna die, il va t'en dissider, justement. T'es bien trop riche, c'est peut-être juste ça que vous voulais dire. T'es dans un quartier trop intense pour être... Le, un gars de, pour être slash, mettons. Des crises d'ici, tu vas te faire... C'est peut-être juste ça que vous voulais dire, là. Peut-être, peut-être. Oui, cet homme-là, il... <laughs> Il est plus sensé que le monsieur de l'épisode d'avant. <laughs> euh, après ça, le Night Train fait référence à l'alcool cheap que le groupe consommait. Les autres, au lieu d'appeler ça du Moonshine, c'était du Night Train. Puis ils consommaient ça, évidemment, dans leur loft. Okay. Euh, je vais t'expliquer un peu le loft. C'était quoi C'était juste comme un paquet de palettes à remonter sur le bord d'un entrepôt. Puis elle est fourrée là, puis voler des madames. Ok, cool. Ça te donne une idée. Ouais, cool. Pas trop cool, mais bon. Euh, Mr. Brownstone, euh, lien direct avec les problèmes d'héroïne du groupe. Euh, Brownstone est un terme pour l'héroïne. Ok. C est, c est, c est, si jamais, je pense pas qu'on l'utilise encore aujourd'hui. C'est la première fois que j'entends ça. Moi aussi. Je savais même pas que c'était ça jusqu'à temps que je voyais que c'était ça. Moi ça avait juste l'air d'un monsieur méchant puis il abusait des gens l'entour de lui. Mais avec la référence d'héroïne, je suis comme Ah ben oui, ça a de like, oh, Paradise City, celle-là aussi, j'imagine que vous la connaissez. J'attends que tu chantes. Non, je veux pas chanter. Ah ok, c'est bon. Paradise City, <touches both of Joan> <shasına> <utter hit> I want you Please take me home. Fut composé en partie en arrière d'un van. Slash jammait avec une guitare acoustique et Axel chanta le premier couplet. Take me down to the Paradise City. Slash ajouta. Where the grass is green and the girl are pretty. Axel redit le couplet. Et Slash ajouta. Where the girl are fat and they're got big titties. Axel conclut. Take me home. Moi, honnêtement, je trouve ça plate qu'il l'ait enlevé, celle-là. <laughs> on dirait que je ne suis pas étonné que Papy Joe euh, y est déçu. <laughs> Mais, sa job à cet homme-là, c'était Paul le chant. C'était pas le vocal. Pas ceux qu'on lui a demandé. C'est <laughs> ça. <rire> les gros tétis, on les tasse. Ouais, ils sont peut-être dit ouais, à la radio. <laughs> Je, je reviens justement à <laughs> la radio. Bon. <laughs> euh, de, 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 euh, My Michelle. Euh, Celle-là est, est quand même assez connu, mais moins. La chanson parle d'une amie du groupe, une fille nommée Michelle Young. Slash a connu Young tout au long du collège, car elle était une amie de la première copine de Slash. Selon Axel Rose, lui et Young étaient ensemble dans une voiture lorsque. « Your song » d'Elton John est passé à la radio et Young a mentionné qu'elle avait toujours voulu que quelqu'un écrive une chanson sur elle. Moi, je trouve ça mignon. Oh. La première tentative d'Axel était une chanson douce, presque romantique, mais qui n'avait absolument rien à voir avec la réalité de la vie de Michel. Il n'était pas satisfait de cette version et l'a réécrite, cette fois en cherchant à être complètement honnête. Plusieurs membres du groupe ont exprimé leur inquiétude à propos de cette version de la chanson, en particulier Slash, craignant que cela ne contrarie Young. Axel lui-même est alors devenu hésitant, mais a finalement décidé de le lui montrer. Elle aimait la chanson et l'attention qu'elle lui sûr, portait. C'est sûr, avec tout l'ego qu'il a. C'est moi, qui a la meilleure idée. <laughs> Arrête d'être blessant avec Axel, OK? <laughs> hey. C'est sûr que c'est ça. <laughs> c'est meilleur Golden John. Je suis meilleur que tout le monde me connaisse. Si vous avez une mauvaise opinion de lui, ça n'a pas de sens. Elle aimait la chanson et l'attention qu'elle lui portait. Il était pas... Parti... Oh non, Impoli. il y a eu raison. Impoli. 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 <rire> <rire> euh, il est polie. Elle est polie. Elle était particulièrement satisfaite de son honnêteté, notamment en ce qui concerne la, tex... la toxicomanie et la mort de sa mère. Et le travail de son père dans l'industrie de la pornographie, qui sont tous mentionnés dans le premier verset de la chanson. Et celle-là, je peux je vais la chanter pour vous. Your daddy works in porno now that mommy's not around. She used to love her Erin, but now she's underground. C'est beau, hein? Mm -hmm. Je vais la traduire pour les noms bien <laughs> Ton papa travaille dans le porno maintenant que maman n'est pas là. Elle adorait son héroïne, mais maintenant, elle est sous terre. Selon Slash, Young a réussi à nettoyer... Le... Selon Slash, ça. Young a réussi à nettoyer et à traverser le pays pour échapper à son style de vie. Je suis celui qui apporte du positif quelquefois. Fait que ça l'a motivé la madame à lâcher la drogue. Il y a quelqu'un qui prend beaucoup de drogue. Mmh. Ben c'est moi, ouais, j'avoue. Moi, ouais, des fois tu vois du monde se scraper pis ça Hey, ça me tente pas Ma mère est morte, cet homme-là, il est weird. C'est <laughs> ouais. ça. Ouais. ouais. Au moins, il va, quoi, avoir fait ça, il, va avoir, il va avoir fait ça de bien. oh ben, c'est bien. En tout cas, c'est clairement que leur musique a influencé beaucoup de monde euh, positivement. Ouais, Tu sais, j'aime. La popularité que ça a, disons, ça doit avoir un certain impact. Là, je pense pas. Si on est Ils là, ont créé on... beaucoup de frustration aussi. Ah, ouais, ben oui, ben, ben. <laughs> C'est une mauvaise langue. Vas-y, euh, vas-y, vas Papy Joe. Tu aussi. sais que j'étais là, hein? Oui, oui, oui. comment? Oh, en feu. <laughs> en feu. Le feu des poubelles. Les ah, chars de police. <laughs> en 92? Oh oui. Euh... Ah, j'étais là, moi. Deux ans. <laughs> non, un an avant le référendum, j'étais là. Euh, fait cocasse. Euh, oui, quand je vais être rendu là, je vais avoir une interview de personnes qui ont été. Oh, nice. Ah, non. Ben, J'ai hâte de participer. <rire> <rire> euh, Sweet Child of Mine qui est quand même euh, la Lors d'une session de jam dans la maison du groupe, le batteur Steven et Slash s'échauffaient et Slash a commencé à jouer une mélodie de cirque tout en faisant des grimaces à Adler. Le guitariste rythmique Easy Stradling a demandé à Slash de la rejouer. Slal... Stradling a trouvé quelques accords, Duff McKagan a créé une ligne de basse et Adler a planifié un rythme. Dans son autobiographie, Slash a déclaré ⁇ En une heure, mon exercice de guitare était devenu autre chose. Axel écoutait les musiciens à l'étage dans sa chambre et a été inspiré pour écrire des paroles qu'il a terminées l'après-midi suivant. Il l'a basé sur sa petite amie de l'époque, Erin Everly, et a déclaré que Lernick Skynard a servi d'inspiration pour s'assurer que nous avions ce sentiment sincère. Je ne sais pas c'est quoi des sentiments sincères avec Axel, mais en tout cas. Lors de la session de composition suivante, le groupe a ajouté un pont et un solo de guitare slash easy Riait un peu de la finalité de la chanson. En gros, ils il voyaient cette chanson-là comme une joke plus que de quoi qui aurait pu se ramasser sur un album. Je crois ben, qu'ils ont eu certains ça à temps. Ça part d'un exercice de guide, puis le monde font comme, hey, on va jammer tu. Hey Chris, moi j'écoute ça de genre, je sais pas là, je sais pas comment c'était fait euh, nécessairement ou ce qui était là, mais tu sais, j'entends ça au loin. Sweet ouais. Mais c'est comme juste tout le monde fait comme un exercice, puis finalement. Ça, ça donne de quoi Puis c'est, je pense, mmh. devenu plus gros qu'eux, qu'est-ce qu'ils pensaient. Euh, et dernière chanson de l'album, une de mes chansons préférées que j'aimais. Puis là, eux autres m'ont donné le goût de l'aimer encore plus. Ouais, tu m'intrigues. Chanson écrite pour une amie de l'époque qui voulait se partir un Ben et le nommer Rocket Queen. Euh, j'ai cherché, j'ai juste trouvé un bend de madame qui font des covers de Guns N' Roses qui s'appelle Rocket Queen. Puis honnêtement, ils torchent, ils l'ont bien. Dans la chanson, il y a des bruits d'une madame qui a du plaisir. Une femme nommée Adriana Smith, groupée strip stripteaseuse à l'époque, était avec le batteur Steven depuis environ un an. Smith a affirmé plus tard dans une interview télévisée qu'après Cadler est insisté sur le fait qu'elle n'était pas sa petite amie. Elle s'est rendue au studio. Rose et Slash étaient là. Rose a proposé à Smith qu'il ait des relations sexuelles dans une cabine vocale afin que les sons que Smith produise puissent être enregistrés et mis sur la chanson. <laughs> Smith a répondu qu'elle le ferait pour le groupe et une bouteille de Jack Daniel. mec! <laughs> <Tabarnak. rire> C'est trash, c'est <laughs> bon, j'aime ça. Je suis game, mais il faudrait je Ouais, c'est On va faire chier d'autres. Non, non. <laughs> Steven Thompson, un ingénieur de l'album, a déclaré Axel voulait des sons pornographiques sur Rocket Queen. Alors, il a amené une fille et ils ont fait l'amour en studio. Nous avons fini par enregistrer environ 30 minutes de bruit sexuel. Si vous écoutez le break de Rocket Queen, c'est là-dedans. C'est pas fini. C'est pour ça que c'était ta chanson préférée. Euh... Ouais. <laughs> Un autre ingénieur. Les yeux fermés dans son lit. <laughs> hmm. Rocket Queen. Comment est-ce ça? Adriana. Adriana. <laughs> Je savais pas encore c'était fait là fait que... Un autre ingénieur, Michael Barbiero, n'a pas voulu enregistrer la séance de sexe, alors il a installé les microphones et a laissé la tâche à son assistant. Vic Deglio. Vic a déclaré que le studio était comme un plateau de Run Jeremy. Euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Run Jeremy, c'est euh, un gros acteur pornographique qui ressemble à Mario Bros. Y a tu fait un album? Parce que ça pourrait faire un bon épisode de Run Jeremy. Ah, <laughs> regarder, euh, je il faudrait regarder. Il est quoi. en prison, je pense, là. Ouais, ouais. Si je me trompe pas. Ah, ouais, pour. Oh, il oh. euh, oh, y question a... sexuelle. Personne, là. Là. Ouais. Sexuelle, ah ouais? Il ouais, n'y mm -hmm. avait pas juste euh, un long il y avait aussi les doigts longs. Mm -hmm. Non, y, honnêtement, il n'y a, a, a pas un gros pénis, oh, ben, Je me souviens ah, plus, c'est ça le débat. Là. Le débat, c'est qu'il y avait les mains baladeuses. Ah, <laughs> oui. bon. Et qui a même dû entrer dans la cabine pour régler un microphone dans lequel Rose et Smith s'était écrasée. Les notes dans la pochette de Appetite reconnaissent la pla... et, et plaisantent. Mm. À propos de la contribution de Vic en le qualifiant de Victor de fucking engineering d'Eglio. Il Fait s'est vraiment donné puis euh, oui. quoi ouais. Et dedans mm -hmm. euh, ouais, je vais aller checker. Et voilà, je l'ai Victor de fucking engineer. OK. <laughs> Mais ils ont, ils ont pas mis euh, Adriana. je euh, euh, j'ai pas vérifié ça. Moi j'ai okay, juste ben, vérifié. 30, là, <rire> <rire> Smith a révélé dans le, la jeune demoiselle. Smith a révélé dans un interview qu'Adler avait paniqué quand il avait découvert la séance sexuelle enregistrée et qu'elle avait passé quelques années à consommer Par la suite, elle a passé quelques années à consommer de l'alcool et de la drogue parce que j'avais des. J'avais cette honte extrême, cette culpabilité et tout ça. Fait qu'une séance de cul et une débravation dans le monde de la drogue. Cependant. Et ils ne l'ont même pas crédité en plus. Ah, pas ah. De... Ben, regarde. Cependant, d'autres révélations pourraient indiquer que Smith et Rose n'ont pas été les seules personnes à enregistrer pour la chanson. Mike Kling, producteur de longue date du groupe, a déclaré. Les gars baisaient cette fille à taux de rôle dans le studio. Ce sont de vrais sons de sexe capturés en direct sur bande. De plus, un ancien employé de Giffen a affirmé que Rose avait eu des relations sexuelles plusieurs fois avec deux ou trois filles sur bande, mécontent des premiers résultats. Et, il est perfectionniste, le petit accent-là. <laughs> ouais, hein? Il va chercher les, les bonnes notes. Alors, le 21 juillet 1987, sorti dans les bacs Appetite for Destruction. Ce fut une sortie douce, car l'album était trop rough pour la radio commerciale de l'époque. Alan n'était pas sûr d'avoir le budget pour faire un clip, même s'il l'avait. Même s'il avait... Les paroles n'étaient pas assez propres pour la TV. On peut entendre 12 fuck dans l'album clairement. Et en 87 arrive la controverse de la, de, sur la pochette. Je me, je me répète, parce que... La pochette originale, la peut For Destruction, elle l'a emmenée cette fois-là. <laughs> tu l'as emmenée, là? <laughs> Tiens. Une œuvre de Robert William, peinte en 1977, représentant un monstre de métal en train de s'abattre sur un robot ayant violé une jeune femme allongée sur le trottoir. Axel Rose était allé voir en personne Robert William pour lui demander la permission d'utiliser la toile. Ce dernier accepta, mais les avertit qu'il aurait des ennuis. En faisant ce choix, la pochette a été changée pour le tatouage d'Axel Rose sur son bras droit. Giffen a bien aimé ce tatouage et décida donc de l'utiliser pour la pochette de l'album. La censure était chaude à cette époque. C'est en 87 qu'arriva le fameux Parental Advisory Explicit Content. Il y a aussi juste un peu avant un autre... Il n'y a pas celui-ci. On... Non, je... c'est ça. Puis regarde, là, vu qu'on a arrêté, c'est un petit tatouage laid. Ça? Oui! <laughs> yeah, ça fait l'époque, je trouve. Ben oui, ben oui. Oui, désolé, ah ouais. oui, oui, c'est vrai. Mais, moi, dans le temps, là, ouais. en 400, je t'ai fait faire un beau tatouage. Ah ouais, c'était quoi? Euh, dans ce temps-là, je m'étais fait faire euh, une constellation. Oh, tabarnak, où ça? Euh, je m'étais fait faire ça, là ici. Ok. Euh, la constellation, du ça. Ça a reparti avec le temps? Ben, quand on est hein, ouais. immortel et millénaire, la peau se Ouais, hein. ouais, c'est sûr. À un donné, À force de se frotter dans le sable. <laughs> Les yeux dans, l'eau, Mon rêve est une éternité. Ok, c'est Il y a évidemment, la sortie était lente. Puis il y a eu plusieurs ombres sur la sortie de l'album. Un jour en juin. En juin. Un, juillet? En ju <rire> <rire> un jour en juin, Todd Crew, du groupe Jet Boy, euh, Je sais pas si vous savez c'est quoi Jet Boy. Non. Un groupe de glam. Qui... Ah, du glam encore Du glam, mais il penchait un peu plus sur le punk. OK. C'était pas mauvais. Celle-là, j'y donne un peu de crédit. Elle avait le cœur brisé. Sa copine avait rompu avec lui. Ami de longue date de Slash, il alla le voir à son hôtel. Il était déjà assez gorlot à son arrivée. Il voulait continuer à se changer les idées. Slash était déjà en train de se shooter avec deux autres amis. Un de plus, ça change pas grand chose. Peu de temps après la première dose, Todd tomba inconscient. Oh oh. Les trois présents essayèrent de le réanimer. Après plusieurs hey, <laughs> c'est peut-être même pas ça. Ah. Hein. Il a trop bris, mais... Après plusieurs essais, Slash se ramassa seul avec Todd, inconscient, qui ne respirait plus. Il appela de l'aide et on lui expliqua il, il appela de l'aide au téléphone. Ah non, mais la loi du Bon-Saint-Martin, c'est mmh. important. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Même si vous êtes complètement défoncé et quelqu'un qui fait une overdose, appelez. Cachez les affaires avant que la police arrive. Mais ils n'auront pas le droit de vous arrêter s'ils ne voient pas de preuve évidente que vous vendez de la drogue. Si y a un ennemi qui fait le pas dans un party, vous appelez les ambulances. Message de mystérieux mystère. Ben, s'il fait le pas, s'il pleure, Il hein, pis... yeah, ma blonde me laisser, je suis trop saoul. Laissez pleurer, là. Mais s'il est inconscient en terre pis qu'il respire plus. Ouais, il y a plein de vomi dans l'île, tu sais beaucoup à faire. Hein. Mais laisse-le de côté, appelle la police. <laughs> Alright, tu peux continuer. Euh, ok, puis moi, je peux utiliser donner une action? Ouais. Tu pognes une pelle, tu l'enterres. Ah, bon. <rire> <rire> euh. Rendu. Il appela de l'aide et on lui expliqua au téléphone comment faire les premiers secours. Todd se remit à respirer pour l'instant. Quarante minutes plus tard, les paramédicaux ramassaient le corps de Todd des bras de Slash. Plus tard, on apprit que Todd tinquait depuis environ 18 heures d'affilée avant d'aller voir Slash. Euh, fait cocasse, euh, après la mort de Todd. Euh, Todd fut remplacé par le bassiste Sami Yatta. Sami était l'ancien bassiste de Hanoi Rock. La boucle est bouclée. Euh, pour faire connaître l'album à l'époque de MTV, il faut un vidéoclip. Le problème était le budget. Jeffune donna 75 000 à Guns N' Roses pour le clip. Alan, t'es intelligent le gars utilisa le directeur et le set du tournage pour Lady Red Light de Green White. Eux avaient reçu 150 000 pour faire le vidéoclip. Welcome to the Jungle fut leur premier vidéoclip. J'ai visionné les deux clips. Le réalisateur a fait un bon job. Je n'ai pas vraiment trouvé de point commun entre les deux. Fait que... Il a fait son travail. Ouais. Il fait son tra Moi, honnêtement, j'ai écouté les deux clips, puis j'ai j'essaie de voir le lien. Des fois, quand ils sont comme dans une grande pièce, tout ça, puis il n'y a rien qui fit. C'est merveilleux. Mais un petit problème encore. MTV passait les vidéo juste entre minuit et 6 heures du matin. Ouais, parce que là, ils sont classés comme trop explicites là, pour l'instant. Exactement. Et puis dans le vidéoclip, ils ont des stock footage, qu'on appelle, de genre de, des meurtres, des choses comme ça. Puis tu as Axel Roses qui a. Euh, dans Clockwork Orange, qui est comme quand il est attaché avec les yeux ouverts, là. il y a cette opposition-là. Fait que ça choquait un peu les gens à l'époque. Pour se faire connaître, il reste les bonnes vieilles tournées aux États-Unis, euh, excuse, en Amérique. Mais l'accueil canadien fut plutôt froid dans les arènes de hockey. C'est froid, hockey. <laughs> Surtout que Axel pensait pouvoir faire passer un sten gun à la frontière canadienne. Tout tu mystérieux, ouais, tu sais, c'est quoi un sten gun Un stamp Sten gun, s t e n g u ben, gun. gun, un fusil. Euh, c'est quoi derrière là de gun G-U-N. Ok, parfait. <laughs> 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 ben, J'imagine que dans le nom ça doit le dire. Un gun avec un STEN doit être bien stable. Je suis déçu. Bon, le STEN est un pistolet mitrailleur britannique des années 1940. Il a marqué l'imaginaire collectif par sa forme caractéristique due au chargeur en position latérale, sa rusticité, son maniement aisé et son parachutage au mouvement de résistance à la fin du conflit. Oui, les drive-by dans le temps de la mafia. Ben ouais. Oui, oui. Tout ça mm -hmm. en fait un symbole de la lutte armée de la là, résistance européenne durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, ouais, c'est ça. Mais je voulais pas m'en souvenir. Euh, <laughs> le Sten gun, ça ressemble à un tuyau avec une, une crosse, puis t'as ton chargeur euh... sur le côté. Oui. Fait que c'était n'importe qui pouvait l'utiliser, puis qui Ouais, Clic, clic, clic. T es, t es plus, tu était plus clic le même, puis tu ben, cherchais, euh, oui, puis tu a le clic. Il a l'enlève, en ouais. garoche. Est-ce que tu te servais d'un arme à feu? Je J'ai mon permis de chance. Ok. <laughs> je, suis, je suis me servais d'un arme à feu. Eh oui. Eh oh, oui. Mais oui. Ah, ah, ah. Tu te servais surtout de cacher tiré? <rire> non. Oh, <laughs> <Ça va>? ok. <laughs> Let's go. Euh, les loups, les loups. <laughs> En tournée, parfois, on n'a pas toujours le temps d'avoir. facile, ça, En tournée, parfois, on n'a pas toujours le temps d'avoir une bonne hygiène corporelle ou on ne prend pas le temps d'avoir une bonne hygiène corporelle. Quand le groupe est rendu à se plaindre de l'auteur des pantalons de cuir de Doff, trois mois qu'il les mettait on et off stage, il avait promis à sa blonde qu'il les garderait pendant toute la tournée. Sûrement une sécurité de fidélité. Si tu puces, personne veut fourrer avec toi en général. eh, pauvre, là. Ça va être graphique, que je vais dire, le... Mais le petit plat entre les gosses et le cul, là. <laughs> oh, c'est-tu que ça devait purer, là, dans ah, ces ben, pantalons-là? En partant des pantalons de cuir, ah, on s'entend, yeah. c'est pas ce qui ouais, est. mais non, mais c'est ça, sûr, justement. La petite place, le collée là, là. Oh! <laughs> Cheesy! C'était tête, là. Oui. Ouais. Ouais. <laughs> C'était tête, on aimait ça, tête des pantalons. Ça revient un peu à la mode, les pantalons tête, chez les messieurs, là, mais pas tant que ça. Euh, on retourne en tournée. Il est resté quelques dates à la tournée de Monthly Crew, mais White Snake les quitta pour X raisons. Ce fut la chance à Guns N' Roses de faire leur première partie. Ce fut grâce à ça qu'ils sortirent de l'ombre. Les ventes d'albums montèrent à bon rythme. Pas une explosion, mais quand même, quand même, tu sais, ça a monté. Fin de la tournée. Nikki Six va fêter ça avec Slash. Party Goddess. Let's go, héroïne! <laughs> Slash se retrouve encore avec un corps à réanimer. En deuxième fois, Nikki. Il sait bien doser le monde, là. Non, <laughs> ben, je... Nikki fut plus chanceux que Todd. Les paramédics ont réussi à refaire battre son cœur. Oh, okay, ça. Slash aurait bien voulu oublier cet autre événement, mais Kickstart My Heart de Motley Crew fut un bon succès. <rire> <rire> Petit arrêt cardiaque, mais on va faire une tonne là-dessus. Come on, Kickstart My Heart! <laughs> Elle bien amené. <laughs> 1988 fut l'année où Guns and Roses atteignit le titre de géant. Last of the Giant. Parce que oui, honnêtement, ils méritent leur titre de géant. L'explosion fut réelle. Première place des ventes. Vidéoclip le plus demandé. Des shows de, de salle comble. Axel fut... Axel qui commence à pas se pointer pour le show fut plus fréquent. Quand tu essaies de contrôler tout ce qui t'entoure, même une foule de 500 personnes ou plus, tu ne peux pas finir heureux. Malgré la controverse, ils se furent offrir une tournée avec Aerosmith. Alan Neville n'était pas sûr d'accepter. Au moment de la décision, le groupe était dans le bureau d'Alan, moins Axel. Quoi de mieux que laisser le hasard choisir? Deux dés dans les mains de Allen, il dit « si c'est 10, c'est moins ». Nous restons ici. Onze et plus, nous allons. Et au oh, diable, Axel. Il brassa les dés, prit le téléphone, il fit préparer les camions pour une tournée au State. <laughs> Tabarnak, okay, il y avait pas beaucoup de chance, là. <laughs> non. Roll the dice, come on. Daddy a new pair of shoes. <laughs> C'est ça, il s'est pas donné des, des bonnes. Ben, il sait donner des bonnes probabilités pour dire pour, non. Bon, <laughs> c'est sûr, pour faire elle, ça ne tente pas. Puis... C'est moitié-moitié. Mm. En été 88, Guns N' Roses était le plus gros groupe des States. Normal de vouloir conquérir d'autres territoires. Destination l'Angleterre, où la première fois n'était pas vraiment gagnant. Ils furent invités au Monster of Rock Festival de Doddington Park, une piste de course. Devant une foule, selon les organisateurs, de 100 000 têtes, selon les observateurs extérieurs, 120 000. Le spectacle se déroule bien jusqu'au moment où Axel arrête de chanter. Ah. Fuck yeah! <laughs> T'as vraiment une mauvaise langue contre Axel, hein? Ah, oh, j'ai esaillé. <laughs> Alors. quoi? Oh, minute, là. Quoi? Là, tu vas me dire que haï Guns N' Roses. Ouais. On parle de ça depuis une demi-heure, haï ça. Ouais? Mais oui, on donne, c'est pas mettre ben... le cas, Chris, là? Ah j'ai eu de. Oh my god, my side, yeah, <laughs> Non. Ah, son attitude de marde, là, pas capable. Ben, gars. Yeah. <laughs> en tant que géant, c'est le doigt. Arrête. OK. <laughs> Axel commence à hurler aux gens de se reculer, car il remarque que les gens devant la scène se font écraser. Tu vois, tout de suite tu pensais qu'il arrêtait le show parce que son ego <laughs> mauvaise langue. Le groupe reprend et il se met à pleuvoir, petit détail important. Avant de quitter le stage, Axel Lance un Don't kill yourself en voyant toute la foule qui s'excitait, tout le tralala. Il y a juste deux ados qui ne l'ont pas écouté, Alan Dick et Landon Sawyer, moururent dans les tentes de premiers soins. Singer était tellement défiguré que la, sa famille eut de la misère à le reconnaître. Les organisateurs. Oh, il s'est fait piétiner, le pauvre. Oui. Et... C'est ça. Au. Oh. Haut, oh, bout, trop de monde. C'est mm. pour ça que j'aime pas les fouilles. <laughs> les organisateurs. Ça arrive vraiment souvent, le monde se font piétiner d'un ben, jour. C'est quoi shows, le, hein? le show de rap qu'il y a eu il n'y a pas longtemps? Là. Ben oui, mais ça arrive pas tout le temps. <laughs> <laughs> C'est arrivé les organisateurs disent que le problème fut la foule et non le nombre de personnes. Le coroner, après enquête, déclare... C'est sûr que s'il y a 20 000 personnes de trop sur le, sur le site. C'est ça, tu as dit tantôt? Non, les, les, organisateurs, les organisateurs disaient 100 000. 000, 000 le monde disait 120 000. 000 C'est ça. Mais s'il y a 20 000 personnes de trop. Je comprends que. Je n'ai pas les chiffres de. Comment qu'on dit? Qui peuvent De maximum de capacité. Je n'ai pas le ouais. chiffre qu'il y avait. J'ai le chiffre qu'ils ont décidé après. Ben D'après ont... moi, ils disaient 100 000, pour une cause de raisons. C'est pas juste. Euh... Ouais, peut-être. D'après moi, ils n'ont pas lancé ça comme ça. Puis les autres se disent, ouais, non, il y avait pas mal plus de monde. Mm -hmm. Il y a ça. Euh, après Un enquête. Genre de Woodstock, là. Ouais. Ouais. <laughs> oh, pas de temps, finalement, 400 000 personnes, tout le monde rentre gratis. <rire> <rire> après enquête, euh, le coroner déclara que rien vraiment aurait pu être fait pour éviter ça. Après l'incident, Dunnington Park diminua la capacité à 70 000 personnes. Fait que c'est ça, tu. ils ont appris leur Mais leçon. C'est ça, c'est 50 000 personnes de plus que la nouvelle capacité. C'est ça, fait que, hey, ça en fait du monde. Là. Moi, je capoterais. J'arriverai puis je même. <laughs> ah non, je m'en vais. <laughs> »« On va-tu se manger une petite crème en glace à glace euh, place? Ouais, on va aller marcher sur le bord de la rivière. Ben, on va être bien. On va ah, être ben. Oh, on, ah, va, on être va être bien. <laughs> ah, ça va être romantique. On va aller une petite fin de semaine au chalet. On va être bien. On va être bien. Euh, encore... faire du pédalo. Or, on va être bien. Ah, okay. okay. On va aller faire du portage dans le bois. »« Ah là là. Ah, on on ben. Ben. Ah, là, on va être bien. on ah, va être bien. Pas de pas temps de portage. Un portable, je ne sais pas On super va alcool. chialer, on va chialer, comme la dernière fois. De puis, ça. Après ça, puis après ça, on va être bains. Oh, ouais, on va être bains. Après ça, on est dans le, can le canot. Ben. Euh, Est-ce que vous voulez que je m'en aille et que je vous laisse seul? Ou... Non, 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 non je veux que tu sois ben. Bon. OK. <laughs> euh, puis encore une fois, pour euh, contredire euh, Alexandre ici qui n'aime pas Axel, un jour, un jeune voulant un autographe de Axel allait le voir. Et il dit à Axel qu'il voudrait bien acheter leur démo, mais que maintenant, ils se vendaient à gros prix. Ils ont quand même fait juste 10 000 copies. Fait que... Axel demanda à Alan comment il pourrait coque-blotter les, les crosseurs de collectionneurs. Alan dit que c'était simple. Il fallait juste rééditer. Il fut même plus. Il ajouta quatre chansons sur le disque. Et c'est comme ça que naquit l'album Lies ou Lies, Lies, Lies. Ça, ça dépend des gens. Mm, okay. Fait que, euh, tu vois, Axel, mm. il y a le cœur sur la main. Ah, ben en même temps, il n'a pas offert ce qu'il voulait. Non, il n'a pas donné l'album. <laughs> il a fait, hey, on va... Hey, on va faire plus de cash à la place des collectionneurs. Ben, d'une certaine <laughs> façon... Ben, il n'a pas donné le EP de 4 Oh, allez donc <laughs> chier, Ben non, mais... Yeah c'est vrai je sais pas qu'il a été un trou de cul là. il a quand même réglé il, un problème il a problème. pas donné qu'est-ce qu'il voulait il, il voulait un album il, il, il a pas revu, donné bon oh, mais lu... c'est pas celui qu'il qu voulait il voulait juste l'acheter il voulait pas l'avoir <laughs> gratuitement d'après moi il voulait peut-être le EP de 4 pas, parce qu'il voulait celui-là vu que c'est le premier pourquoi <laughs> tu veux juste cet album-là qui doit pas être le meilleur ben, techniquement c'est quatre compositions originales d'après moi c'est surtout pour pouvoir les écouter chez eux Surtout, il passe à D'après moi, c'était un collectionneur. Ça, bien. Ouais. Peut-être. Il y a peut-être ça tu sais, avec Axel aussi, on ne sait pas. mais oh, oh, pas là. <laughs> euh, Évidemment, sur, euh, ils ont rajouté quatre nouvelles chansons. Et sur cet album, il y a la chanson controversée "One in a Million". Racisme et homophobie se comptoient à perfection. Digne d'un discours de la droite, de la droite extrême. Et évidemment, euh, je ne chanterai pas les paroles de cette chanson. Euh... Ah ben, je... ben, parfait. Parce que Alexandre, <laughs> il aime pas ça faire des montages. <laughs> non, ben non, mais <laughs> c'est parce que c'est ça, là aussi. Non, on peut souligner les meilleurs coups, hein. même si c'est un podcast de crime, là, pas obligé de dire toutes les affaires dégueulasses. Là. Non, c'est ça, les... papy Joe, ils censurent il ne censure pas quand il lit les chansons, fait que, que c'est ça. Je suis un électron libre. <laughs> des fois, des fois, ça, ça cille à mes oreilles. Je <laughs> suis obligé d'enlever des bouts. <laughs> ah ben non, on va l'appeler ça c'est à mes oreilles non, c'est du crime à mes oreilles. Ah, ça serait beau. Euh, à ce point, Guns N' Roses dominait les vidéos dominait les vidéoclips de Paradise CD Sweet Child of Mine tournait en boucle. La version éditée de Sweet Child était rendue un staple dans les stations de Radio Rock et même des stations plus commerciales. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, Cité Rock des Tentes, que je nommais amicalement Cité Rock ma tante. C'était la station préférée de ma maman. Et ça me faisait rire d'entendre sous Child of Mine passer là. C'est toi! Car passer, genre, justement, en Je pense c'est rouge, à c'est rouge FM master puis. à chôme. À chôme. À chôme, c'est pas une question. Parce tu que ça joue à 99.9 The buzz. Je pense pas. J pense non. pas, non. Bon, okay. C'est pas très alternatif. Ah yeah, oui. Puis... Oh, ça fait longtemps que j'ai pas écouté 999 de Je sais pas si elle joue à ça. Hey, moi je suis pris. En ah, ce moment, je suis pris en 2004. 999 okay. <laughs> <"The rire> <Buzz." rire> oh, bon. Alright. Même les gros noms de la musique de cette époque prirent exemple sur eux pour se refaire un nom. Il fait cocasse sur Metallica. <laughs> Ça, ça C'est ouais, ouais, oui. un crossover Metallica. que j'aime. <laughs> Metallica. Ouais. Euh, je je cite Slash James Hetfield le chanteur pour les gens qui ne savaient pas voulait fourrer une fille. Alors je lui ai laissé ma chambre. Il y était depuis un certain temps et je devais aller chercher un truc. Je suis entré subtilement et j'ai vu James en train de head fucking. Il était debout sur le lit et a fourré dans la bouche la madame tout en lui cognant la tête sur le mur. Et il gémissait avec sa grosse voix. That'll be fine, yes, that'll be fine! Tabarnak! <laughs> à quand ton grand dossier mettait le coeur... <rire> <rire> Alors, euh, euh, Chris, il m'en reste encore à faire là-dessus, hein? <laughs> Tabarnak, man, c'est violence! <laughs> Mais ben, dis, yeah. no king shame, mais ça sonnait pas. Euh, ça sonnait pas, pas plaisir. Ben, en hein? tout cas, ça sonnait kinky pour un, mais pas pour l'autre. Ouais. C'est ça. Quand tu es obligé de dire à l'autre que tout va bien aller, là. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui a plus de plaisir que l'autre. Oh, tabarnak, mon vieux. Waouh. Fin 1988, le groupe arrête les tournées, prend une pause et encaisse chacun un chèque de 850 000 Junkie plus trop d'argent égale en général pas bon ménage. Il yeah, faut que je le dise, le Silvio il est fâché dans le t-shirt. Comment ça m'excuse. Il y a, a eu un bravo les guns avec des fuck you, puis là il vient de faire un autre bravo Metallica, un bonhomme fâché avec des fuck you. <laughs> euh, mais évidemment, c'est comme un autre chapitre de leur vie, la petite pause et les 850 000 dollars, fait que... Il y a quand même trois ans à remplir. Il y a personne qui a fait de quoi d'intelligent avec. Hein? Il y a trois ans à remplir jusqu'à la sortie de Use Your Religion. C'est comme ça que je m'arrête en ce moment. On n'a plus d'argent. Il faut qu'on sorte un album. <laughs> On part en tournée. Je suis okay. rendu là. All right, all right. Ben, merci, Papi Joe. Pour... Puis, euh, Sylvio, ouais, comme je te dis, euh, tu, tu vas en avoir encore d'autres parties parce que je n'ai pas fini. <laughs> ouais, ça, il y en reste au moins deux, trois encore. Deux, trois Excuse. J'ai juste fait deux parties avec ça. Ouais. Ah, ouais, il est au corps. Je au corps. Puis, je, je coupe tout qu est ce qu'il a juridiction, genre. Mm. Puis le, le blabla de, de genre, ah oh oui, mais je m'ostine avec pour avoir plus d'argent. Parce que oui, il y a eu de l'ostination pour Aerosmith, Smith parce qu'Alan, il était comme, non, non, Guns N' Roses mérite plus que ça. Puis, ils ont eu vraiment plus. Même avec les belles rumeurs de. Mais, avec même avec tout... tout quest ce qui se passait, il était en demande. C'est ouais. fou, là. Moi, dat, le résumé de où est-ce que je suis <laughs> rendu, mon résumé, c'est simple. C'est cinq junkies qui se font torcher le cul par Giffen. <laughs> c'est ça, pour l'instant, Je veux dire, le gars Allen, il est comme juste, j'ai cinq junkies, je fais pas mal qu'est-ce que je vais avec, je vais les emmener vraiment à quelque part, puis ils vont me, donner, vont me rapporter plein d'argent. Non, ouais, Il s'est fait de la pièce. C'est clair. Ben, on... ouais, ça en est quasiment un boy's band. Ben oui, ben, oui, tellement. Tu sais, ben souvent on dit Ah, ben, et ils n'ont pas de talent d'un boys man. Oui, oh, ouais. t'as-tu déjà entendu Justin Dumberlake chanter puis danser Ben, ça c'est ouais. n 5 là. mais Ouais, n 5 ça. Ah ben, bon. T'as-tu <laughs> déjà vu, là, le gars. ah hey, Ben faire, Sweet okay. Boys, man, il y a des... on pourrait faire de quoi là-dessus Nick Carter. Ouais, il y en a un qui, qui est viré pas mal QAnon, là. Ben, il y en a un qui a eu des accusations d'agression sexuelle, Nick Carter, justement. Oui. Qu'est-ce que c'est bon? Mais je vais dire ça avant. <laughs> oui, 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 oui. le fera. <laughs> All right, euh, Encore une fois, pour ceux-là qui sont sur le live, on fait une petite pause de 15 minutes. On vous revient pour oh un troisième, pas, euh, une troisième épisode. Une petite pause de 15 minutes. On vous revient <laughs> pour un troisième épisode de, du crime à mes oreilles. Hey, merci. merci de rester à l'écoute. Euh, yes, merci. merci. Je vous aime. Yes. Puis on s'envoie. Yes. On, on je me masturbe